Bayou, ça va? Ça va bien. Salut, c'est Zaboudrar. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des pouces. Des pouces? Oui, des subscribe. Bah, il dit ça, subscribe. Tu suces des crabes. Tu suces craber la vidéo. Aujourd'hui, je suis avec monsieur Bayoussa. Bravo! Bravo. Je vais être très chiant dans cette vidéo. Je sais. Je sais. Alors, je vais être très chiant. Écoute, ça me va. Comme ça, les gens sont. Mais. Ah, putain, il m'a fait. Tu sors de la salle? Je sors de la salle. Tu serais pas en mode fit là? Je suis en out. T'es en out? Out, donc dehors. Dehors et fit. Parce que je vais à la salle. Parce que tu le vaux bien. Oui, je m'habille bien à la salle. C'est exactement. Ok les amis, donc vous avez vu, on a fait plein de reacts sur Ronaldinho, sur One Piece. Et là, on va faire une react. Ouais. Pourquoi si j'étais pas là? One Piece? C'est non, Ronaldinho. Ah, Ronaldinho, c'est nul. Mais va te faire en. C'est mieux Dragon Ball Z. Non, allez, c'est bon. Ouais. Wow. Ils ont copié sur Dragon Ball Z. Okay. Sur les commentaires, vous me dites qu'il allait se faire foutre. Alors, ils ont utilisé les mêmes bruitages, ils ont utilisé les mêmes sons, ils ont utilisé quasiment les mêmes personnages. C'est nul. One Piece, non. Non, aujourd'hui, on va faire, nous deux, on va faire un truc sur une personne que t'aimes beaucoup. Ah. Et l'un des premiers, on va dire, à faire des pranks dans la rue. Mon daron. C'est monsieur Jean-Yves Lafesse. Ah, paix à son âme. Exactement. Parce qu'il n'est plus parmi nous. Parce que la dernière fois, je te jure, je pensais qu'il était mort, moi. Qui? Maïté. Mais en fait, non. Elle est pas morte. Non. Attends, Maïté. Pourquoi tu dis que je suis morte? Non, elle est toujours vivante, frérot. Alhamdoulilah. Attends. Alhamdoulilah. Elle a 85 ans? 85 ans. Ah, ça fait beaucoup, là, hein. T'es fou. Non, mais parce qu'elle est, bien là. Ouais, bah, alhamdoulilah, c'est bien. D'abord, j'ai envie de vous dire, avant qu'on commence, subscribez, like and share. Exactement. Et n'hésitez pas surtout à manger 5 fruits et légumes par jour parce que c'est très important. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Comment voulez-vous? Allez-vous faire enculer? Allez-vous enculer? Allez-vous faire enculer? Allez-vous faire enculer. Est-ce qu'on peut dire que celui, c'est vraiment le papa de tous ceux qui font des pranks sur TikTok? Alors, et compagnie? Il y en a deux. Il y a lui. Et Rémi Gaïa. Et Raphaël Mesrahi. Débile ou quoi? Mais attendez, c'est vrai. Regardez, lui, il est devant moi, il décolle du scotch, je sais pas ce qu'il fait. Ah ouais. Pour moi, c'est les deux. On va en faire une spéciale Raphaël Mesrahi. Parce que c'est quand même incroyable les interviews qu'il faisait. Non, c'est incroyable. Raphaël Mesrahi? Non. Raphaël Mesrahi avec son pull marron. Qu'on a vu un jour en plus. Oui, on l'avait vu à et la sortie. Il a sorti une anecdote. Il a dit ouais. En fait, il avait v'là les idées. Oui, beaucoup trop. Il a dit il avait au moins 400 vidéos, ouais, je crois, un truc comme ça qui n'était pas sorti. Et il a dit son plus gros prank qu'il a jamais sorti. J'ai tellement gueulé de rire. Il a dit il a accroché une corde autour de la tour Montparnasse. Il a demandé à un vieux, est-ce que vous pouvez me garder la tour? Je vais pisser, je reviens. Le gars a tenu la tour en laisse. Ça, c'est un Raphaël Mesrahi. C'est-à-dire, ceux qui écoutent cette vidéo-là et ils le font, vous serez des gros copieurs. Des gros copieurs. Okay. Et vraiment, Jean-Yves Lafesse et Raphaël Mesrahi, il n'y a pas plus haut en France. Après, Rémi Gaillard. Non, mais lui, en fait, il est arrivé bien après. Bien après. Mais il a bien pris le flambeau. En prank, oui, avec Jonathan Cohen. Exactement. Ouais, c'est super. Il est mignon, bonjour. C'est un chien? Non, c'est une chienne. C'est une chienne, ouais. Bon, c'est bizarre parce que c'est une chienne et ça sent la chatte. Excusez-moi, mon père. Est-ce que vous pouvez me dire où est l'église de la... Église. La Pentecôte, mon père. Ah, Non, non, je suis pas curé, monsieur. Ah, pardon. Non. Ah, vous êtes... Ah non, je suis serveur. Vous servez peut-être Jésus, non? Non, du tout. Ah, pardon. D'accord, je vous ai pris pour un curé, pardonnez-moi. C'est l'émission pour savoir à quoi pensent les femmes. Vous connaissez? Il était un peu vieux à ce moment-là. Alors, première question. Ouais, les gens étaient vieux. 72 moins 3. Eh ben, 69. Voilà, c'était pour savoir à quoi pensent les femmes. À vous. N'importe quoi. Bonjour, excusez-moi, savez-vous où sont les bureaux d'aide sociale? Vous savez pas? Non. Ça m'étonne pas. Dis-moi, mon petit, c'est pas le maillot de bain que j'avais apporté à ta femme l'année dernière pour Noël? Non, c'est bien à moi que tu l'avais donné. C'est quoi ce slip? Frérot, c'est un slip? C'est un sling. Ou un slingre. C'est un slingre. Il est beaucoup trop court ce truc. Et puis il est chiant avec ses lunettes. Il y a rien qui va en fait. Et le pire, c'est qu'il est à l'aise en faisant ça. Il est là, oh, c'est bien celui-là que tu m'as donné. Ah, c'est bien celui-là que tu m'as donné. Putain. Avec ses lunettes là. Bonjour ma petite. Bonjour ma petite. Tu veux voir le bâton du Père Noël? Qu'est-ce que Père Noël fait là? Eh ben, il est venu te montrer son bâton. Allez, tiens, regarde.
Est-ce que tu penses que si tu fais ce genre de prank maintenant, non, c'est non. Impossible. Impossible, c'est impossible. Mais pourquoi frérot, avec un rien aujourd'hui, tu montres n'importe quoi, tu te fais attaquer. Est-ce que tu trouves pas ça dommage? Bah oui, c'est dommage, avant c'était mieux. En tout cas, tu fais ça, voilà, le truc du bâton, là, t'es sous, alors tu passes des bâtons au barreau. Exact. Bah dis donc. C'est un joli jeu de mots, vous allez mettre une semaine à la comprendre celle-là. Exactement, et vous lui mettez une petite note sur 10. Oui. Et n'hésitez pas à souscriber. À suce des crabes. Tu suces des crabes et tu likes. Allez, voilà. Suce des crabes. Comment ? Je fume pas. Mais là, il nous répartit. Il a regardé la clope, genre. Ah ouais, tu fumes pas, petit bâtard ? Ah oui, hein, je vois, oui, beaucoup. Où est-ce qu'il est, klaxonne, là ? Il reste quand il est chiant. Ah, c'est chiant. Ah, il est chiant, ce mec. Paix à son âme, hein, mais très, très fort. Il est très fort. Ça s'arrête jamais? Non. C'est long de ouf. C'est long. Et lui, c'est son rêve. Il voulait klaxonner dans un bus. Bonjour, monsieur. Je suis non-voyant. Vous savez où je peux trouver de la drogue? c'est pas moi qui vous demande. Ah, pardon, c'est pas moi qui vous demandez. Mais le pire, c'est qu'il le joue bien. Hein. Tu sais, il a vraiment choisi le moment de traverser, quoi. Hop, revenez là, monsieur. Excusez-moi, monsieur, je suis handicapé les bras. Vous pouvez prendre ma clé dans la poche gauche, s'il vous plaît. La clé de ma voiture, merci. Au voleur. Jeune homme, s'il vous plaît. Oh putain, madame. Vous aviez de bien belles fesses. Là, c'est juste pour vous le dire. Dis donc, c'est bien dodu ça, mon cochon. Frérot, est-ce que t'as déjà entendu ces appels téléphoniques où il s'appelle Madame Ledoux? Oui, j'ai déjà entendu quelques... J'ai pas accroché à ça, moi. À frérot, faut que tu t'accroches. Parce que c'est tellement drôle. Ah ouais? En plus, il imite la vieille à la perfection. Oh bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. J'ai dit à la police que j'avais dormi avec vous. Ah bah, je regrette que moi, je dirais que non. Parce que moi, je veux pas me mettre dans vos histoires. D'abord, premièrement, je vous connais pas. C'est très galerie. Et n'oublie pas, souscribez. Et suce des crabes. Et tu likes. Tu likes and share. Voilà, tu es là, Ganger. Et c'est parti pour la Sky Roulette. Pardon. T'as pas honte de l'habiller comme ça, madame? À cet âge-là, faut les laisser s'habiller comme ils veulent. Mais bon sang, mais de quoi ils se mêlent, celui-là, alors? Laissez-les s'habiller comme ils veulent à cet âge-là, quand même. Oh. Mais c'est pas moi qui ai choisi, hein? Oui, imbécile! Les feignants! Je parle à vos cheveux. Il est feignant! Feignant! Excusez-moi, monsieur, sécurité, on va vous demander de vous lever parce qu'on va doubler les chaises. Oh le bâtard! Ça aussi, tu peux plus le faire, ça. Là, frérot, tu fais ce genre de vanne, c'est grossophobie, c'est... Oui, et tout. Hein. Oui. Tôt ce matin, la dépouille du pharaon Toutankhamon s'échouait lamentablement sur la plage de Kham. Toujours avec son doigt comme ça. C'est plus à peine de la toucher, hein. Elle est sèche maintenant. Oh, il est chiant. Voilà. Ah. Ça fait du bien. C'est tous en train de manger en plus. Ah le bâtard. C'est pas l'heure de se faire pomper, hein. Oui, c'est vrai, on me l'a dit. Ma femme me l'a dit, oui. Moi j'aime bien quand les passants ils réagissent. Ils sont réceptifs, ouais. Combien? Jure, il a pas cramé. C'est quoi, c'est une passoire? Ouais. Il a mis une passoire. Ah oui, il y a pas les passants rouges. Il y a la caméra. Toujours pas capté. Ah, il y a la télé. T'es loche. Ouais, salut, hein. Salut. Front populaire. Et là, il sait même pas où il est, frère. Je crois que c'est là qu'il va capter. Oui. Il a mis 20 minutes à capter. Ah, il a jeté ça dedans. Ah ouais, mal, il l'a frère. Jeté au calme. Bon bah c'est la finish. On s'est fait une petite compile de Jean-Yves Lafesse. C'était vraiment bien. C'était marrant. Mais je vous jure, s'il vous plaît, regardez Robert et Madame Ledoux. Robert et Madame Ledoux, vas-y, on va noter c'est ça. Robert Ledoux et Madame Ledoux. Il est très chiant. Ah ouais. Il est chiant de ouf. Vas-y, il est vraiment chiant. Ça. Bah parce que je me faisais chier, j'écoutais beaucoup Rire et Chanson. Ah parce qu'à l'époque, t'étais dans le métier de la camionnerie, quoi. T'étais dans le camion. C'était pas comme ça. T'es comme ça. T'étais comme ça, ouais, quoi. Point. Eh poète, poète. Vas-y, camion. Poète. Eh. Vous êtes ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup de cette vidéo, c'était incroyable. Et n'hésitez pas à souscriber. À like and share. Monsieur Bayoussard. De toute façon, on te retrouve sur Instagram. Ou dans le métro. Exactement, mais plus sérieusement, on te retrouve sur Instagram. Sur Instagram. Facebook aussi, ça existe encore. Et normalement, il y a un film qui va sortir quand? C'est vrai, ouais, j'ai oublié ça. Le 20 mars. Le 20 mars, donc cette vidéo sera déjà sortie. Donc allez le voir, il est à l'affiche d'un film qui s'appelle... Karaoké. Avec Michel Larocque et Claudia Tagbo. Merci. Quoi, ça va bien? Je dirais plutôt que vous avez une voix un peu difficile. Évidemment, je joue le frère d'une des deux. À vous de savoir qui. Et c'est pas Claudia. Ah ouais? Bah non.
Ah. Évidemment que si. Mais j'ai la tête à Michel Larocque, frérot. Non. Bon, en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à marquer des commentaires. Donc là, c'est toujours pas tuerie, tu perds. Non, c'est toujours. Non, on est encore sur un autre truc. Exactement. Ok, d'accord. On évolue. Ah oui, on évolue. Voilà. Bah oui. Oui. Allez, salut tout le monde et suscribez. Suscribez. Suisse des crabes. Suisse des crabes. Les épaules. Et c'est Aziz Aboudra. Merci, voilà. C'est merveilleux ça. Ouais, de tuerie, tu perds. De réaction, du Comedy Club. Les indés. Il fait les indés. Un groupe d'impro tous les vendredis. Un vendredi sur deux, direct Comedy Club. Voilà. C'est très drôle. N'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à y aller en famille. Stop, coupez.